Des solutions existent comme l'habitat intergénérationnel. Des seniors accueillent chez eux des jeunes en leur louant une chambre, une formule mise en place par l'association Un Toit Deux Générations. Exemple à Laxou, près de Nancy, chez Marie-Thérèse qui vit avec Loïc, Grégory Boileau et Jean-Pierre Petit-Collat. Voilà. Quelques minutes à discuter de tout et de rien. Des petits moments d'échange, de partage et de convivialité. Non, il est très bien. Aujourd'hui, tu manges avec moi à midi. Oui. Mais et demain, ce soir aussi. Du okay. coup. Loïc, étudiant de 20 ans, vit depuis 7 mois chez Marie-Thérèse. Âgée de 95 ans, elle ne supportait plus l'isolement et la peur de vivre seule. Mais je suis contente de savoir qu'il y a quelqu'un qui arrive dans ma maison le soir. Voilà. Ça vous rassure, ça va vraiment. Ça me rassure. Voilà. C'est pas grand-chose. Pour moi, c'est beaucoup. Étudiant en troisième année d'économie, Loïc a choisi cette cohabitation intergénérationnelle en juillet dernier. Il dispose d'une chambre meublée et d'une salle de bain indépendante pour 250 euros par mois, charges comprises. Je me suis orienté vers cette solution parce qu'il y a quand même 200 mètres carrés. Enfin, j'ai de l'espace, je suis libre et juste pour les études, c'est mieux. J'habite avec une personne, donc il y a des interactions. Rien que mentalement, c'est très agréable de travailler ici. Bénéficier d'une présence rassurante et rompre l'isolement des personnes âgées. L'association Un Toit Deux Générations, créée en 2008, met en relation des seniors et des jeunes pour développer cet habitat intergénérationnel. Je leur pose plusieurs questions. Si elles veulent un petit complément de revenu, puisqu'elles peuvent demander aussi un complément de revenu de la part du jeune, ce qu'elles attendent de la part du jeune, s'ils doivent être présents obligatoirement les week-ends, quels services elles attendent de la part du jeune. Et donc je formule l'offre. Et cette offre est ensuite disponible pour des jeunes qui ont envie de se lancer dans une cohabitation. Marie-Thérèse et Loïc sont presque devenus inséparables. Une belle complicité a vu le jour, rythmée par de nombreuses discussions. Je suis contente parce que j'ai une présence, je peux parler. Rester dans quatre murs comme ça, du matin au soir, hein, c'est affreux. Enfin, pour moi, des gens à qui ça ne fait rien, mais moi, ça me tue. Une formule senior-junior qui séduit de plus en plus. L'an passé, en Lorraine, l'association Un Toit Deux Générations a enregistré 80 contrats de colocation.